bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, et on se retrouve sur un autre épisode, l'épisode 19 il me semble. Oh, ça passe vite déjà. Du Let's Play Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Les enfants de la liberté. Voilà. Et je rappelle brièvement encore l'épisode précédent. Alors, on a aidé Emma à s'échapper parce qu'elle voulait, savait pas nager. Alors voilà, on l'a extirpé de la noyade et tout ça. Il y a eu plein de bavardages, plein de trucs mots scientifiques où j'ai rien compris du tout. J'avais mal au cerveau, mon cerveau a explosé. À un moment même, Raiden a parlé de sa coupe de cheveux à Emma. Il a un peu dragouillé, il parlait de coupe de cheveux, je sais pas si c'est assez. Et là, c'est bon, on a ressorti des salles complètement noyées. Et c'est parti pour un tour. Ah là, il y a des méchants. Alors, on va aller vite la cacher, celle-là. Parce qu'il y a des méchants, comme vous voyez, sur le radar. Heureusement que j'ai activé le nœud. Oui, excusez-moi, j'étais en train de regarder vite fait. Ouais. Bon, si j'enregistrais bien ma voix, hein, l'audio. Alors. Ouais. Normalement, il y a un autre garde qui vient... Qui vient par là, mais il est peut-être pas encore là. Alors attendez, on va attendre que... Voilà, voilà, c'est ça. Barre-toi de l'autre côté, s'il te plaît. Ah, j'ai pas pris mon arme. Ah, ça va, t'es gentil. Tu veux pas que je te tire dessus? Tu as bien raison. Oh, marchand, t'appelles Phil le marchand, ok. Il fait souvent du marchand, du marchandage ou du merchandising peut-être. On ne sait pas, on ne sait pas. On va te mettre dans le coin là. Oh merci, c'est gentil. J'en avais besoin parce qu'avec l'épisode de Vamp. Normalement il y en a un là. Il y a un gars normalement qui fait le tour ici. Ah ouais. Ouais bah comme dans, du coup comme vous le savez, il y a des gardes qui disparaissent et réapparaissent hein, depuis la nouvelle version sur PlayStation 3. Ah là 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 là. Là il y a rien, non il y a rien. Un petit bandage. Non, c'est des pentazémines. Là, il y a un garde. Oula, attendez, oh lolo. Il va jusqu'à où, lui? Ah, je savais bien qu'il y avait un garde ici qui venait par là. Mais qu'est-ce qu'il fait par là? Il est venu d'où? Parce que le seul étage qu'il y a, je viens de remarquer, c'est en bas. Ok, c'est chelou. Parce que le seul étage qu'il a pris là, c'était là où c'était noyé. Et on l'a pas rencontré, quoi. Oui, il est gentil aussi. Putain, le nom qu'il a. Attendez, je vérifie. Ça me perturbe cette histoire d'ascenseur. Je vais prendre tous les dogstacks avant de reprendre Emma, bien sûr. Ouais, regardez, il n'y a que deux étages. C'est ce que je disais. Il n'y a que deux étages. L'étage là où on est et l'étage où il y a les noyés. Alors, où il y a eu. Bah, tout est inondé, quoi. Ok. Ok, ok. Ah, il y en a deux là. Il y en a deux. Est-ce que je... Non, attendez, je voulais en attirer un. Ouais, pep. Alors comment je vais faire là? Je réfléchis, hein. Ou alors faut que j'en endorme un. Je suppose que ça va être obligatoire comme ça. J'en endors un. Ouais, ce que je vais faire. Je vais en endormir un. Je vais endormir lui là. Déjà. Voilà, détruit sa petite radio duo. Allez, va-t'en. Allez, retourne-toi. Oh, il en met du temps. Dépêche-toi. 3 heures pour regarder un mur qui est vide là-bas. Ah bah voilà. Merde, il a utilisé ses jumelles, le con. Oh bah merde, c'est malin. Oh putain, je suis dans le caca. Oh putain, on est dans le caca. Ouais, t'as raison, cache-toi, parce que j'ai fait une connerie. Merde, je savais pas qu'il y avait des... Putain, je suis dans le caca. Autrement, j'aurais dû prendre l'ascenseur, ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû prendre l'ascenseur et me barrer. J'ai encore utilisé plein de munitions, moi, comme un con. Freeze.
Voilà. Au cas où on sait jamais. L'autre, il a même pas eu le temps de se réveiller, là. Aïe, aïe, aïe. Il dort toujours, l'autre. Non, ils sont toujours là, ces cons-là. Allez, barre-toi. Ah, merde. Bon, c'est pas grave. Je peux me cacher, là. Il n'y a pas de souci. Bon, c'était un petit fail. Freeze. Ouais, je t'ai eu. Don't kill me. Voilà. Oh, ça va, ça va. J'ai pu tout éviter. Oh, Yusuke Kitamura. Oh, t'as un beau nom, toi. Ah, voilà, je vais l'utiliser, tiens. Un peu, parce que voilà, je pense pas qu'on va beaucoup l'utiliser. Comme il fait un peu noir ici, je vais dire. Oh, putain, par contre, le nuage que ça fait. Freeze. Hop. Oh, mais vous êtes encore plus beau en vert, en fait, les gars. Eh, hey, mais là, cette vision-là, je vais la garder, moi. La trouve en... Vous êtes encore plus beau quand vous êtes vert. Vous êtes magnifique, les gars. Bon, là il y en a pas, mais normalement il va y en avoir un, je crois. Ah non, il... ah si, il va y en avoir un là, normalement. Ouais, normalement il devrait y avoir un ennemi ici. Mais là il y a pas. Oh bah cool. Ah bah non, j'en ai pas besoin. Ah bah des missions de ça, oui, j'en ai besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Je check un peu. Ok. Normalement il y a un ennemi qui est là, normalement. Qui fait le tour là et qui fait le tour là. Bon, c'est pas, il est pas là, il est pas là. Hein. Il s'est absenté pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Oh putain, je crois que j'allais me casser la figure. Je suis même pas cassé la figure. Est-ce qu'il va se réveiller lui? Ouais, lui va bientôt se réveiller. On va pas chercher midi à 14h. Hein. Allez, dépêche-toi! Voilà, allez, on se dépêche parce que c'est pas comme s'il y avait 30, une petite poignée de garde qui dormait quand même dans cette salle. Ne te réveille surtout pas, le mec en bas. Ah bah il y a un mec là maintenant, d'accord. Il vient d'apparaître de quand lui? Putain, c'est pas possible. Bon bah alors toi, redors. Freeze. Bon, sur merci, je crois qu'il allait se retourner dans un moment. Oui, j'appuie sur la gâchette. La jambe. Oui, je sais, je peux aussi tirer à côté, il a peur, mais j'aime bien le retirer. Regardez, il est beau comme ça. Sur une jambe, allez, vas-y. Vas-y, danse, mon gars. Il s'appelle Amir. Allez, on se réveille, on se lève. Allez, lève-toi. Voilà. Et on se grouille. Petite phase simplette, hein, juste à promener son cul là, celle-là. Alors toi, te réveille surtout pas. Parce que sinon, je suis dans le caca. Lui, toi non plus. J'aime bien, je leur parle comme s'ils pouvaient m'entendre, mais on sait jamais. Pour être sympa. Ah, je savais bien qu'il y avait un garde là qui arrivait. Allez, vas-y. Hop. Please don't. Putain, je t'ai fait tout le tour de ta tête sans faire exprès. Mon doigt, il a ripé sur la sur l'analogue. Allez. Allez. Putain, mais dépêche-toi, ils sont en train d'arriver là. Mais vas-y. Ah oui, il faut que je tire mon arme, mais oui, je suis con. Si je tirais pas mon arme, c'est normal, parce qu'ils pouvaient pas me prendre la main. Non mais j'ai été en stress, j'ai dit c'est bon, les deux sont réveillés, ils vont se retourner au moment qu'ils nous voient. Bon, on retourne dans la phase d'infiltration comme vous pouvez le voir là. Voilà, alors il y a ces cons. Alors là, faut que je fasse gaffe, je vais prendre le silencieux. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore? Il y en a encore où là? Attendez, est-ce que je l'entends mais je vois pas et j'aime pas ça. Ah d'accord, il est là.
Oh! Oh, ça c'était efficace ça! Oh putain, j'ai même pas fait exprès de le viser bien où il fallait quoi. Oh là là, ça c'était efficace. Allez, dépêche-toi. Je peux la bousculer. Il paraît que si je la bouscule un peu, elle va un peu plus vite pour prendre ma main, mais. Alors attends, je te mets là. Si on ne sait pas ce qu'ils ont réparé. Est-ce qu'il y a des gagardes? Oui, il y a un gagarde là qui va arriver. Il est là. Je sais pas si je peux passer. Est-ce qu'il va. Il fait quoi sa ronde? Il fait ça sa ronde, ok. On a un spectre, on regarde. Ah, il va par là. Freeze. Oups, c'était chaud, mais j'ai réussi. Donne-moi ton dog tag, s'il te plaît. Voilà, la politesse. Elle donne tout, la politesse. Hop. Et hop là. Y'a personne là. Non, y a personne. Ah, mais y'a des munitions. Les munitions M4. Ouais, comme si je m'en étais servi. Bon, si ça aurait été contre Vamp. Oui, je l'aurais utilisé, mais je devais tuer personne. Parce que je me suis donné la difficulté de tuer personne, même si je suis en mode. Ah. Oui, je suis un fou le jeu. Je suis fou! Je suis fou de toi. Et attendez, est-ce que. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance en lui. Voilà. Voilà. Parce que je le sens lui arriver qu'il va se réveiller de dos. Hein. Voilà. Allez, tu te lèves, tu te bouges. Allez, voilà. Et voilà. Hop. Heureusement, là, on peut pas tomber dans le trou parce que heureusement, ils l'ont réparé. Ils auraient pu mettre deux gardes en fait. Hein. Ils auraient pu mettre un garde en bas et un garde en haut, mais en hard. En easy ou en normal, je veux bien qu'il n'y en ait qu'un garde ici, mais là franchement, ils auraient pu en mettre deuxième. Ah oui, c'est vrai. Il y a du feu. Voilà. Allez, on y retourne. On est bientôt arrivé, t'inquiète pas, on est bientôt arrivé. Oui, parce que je rappelle que la porte qui est là-bas, hein, elle est cassée. Hein. Voilà, je l'avais montré dans l'épisode précédent. Ou autre précédent. Ah bah oui, c'est vrai, on n'a pas la carte de niveau 5. Comment on va faire pour passer? Oh! Damn it! What's wrong? T'as pas la porte, t'as rien fait la porte. Security level 5. I don't have card 5. Damn! T'en laissez passer, s'il vous plaît, monsieur. Ta-da! What the? Are you impressed? You should have told me you had it. Well, the truth is, I just remembered it myself. Elle a une mémoire comme moi. C'est parfait. On peut s'entendre. On peut s'entendre. Putain, il y a des mouches là-dedans. C'est qui a pété? Putain, oh putain, les mouches qu'il y a là-dedans. Bon. Il n'y a pas de nœud, j'ai pas la carte, j'aime pas ça. Ouais, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ah ouais. Il y a un gars. Je m'en doutais bien. Ouais, pep. Alors attendez, je vais l'attirer avec un magazine, tiens. Voilà. Oh putain, comme il est tombé comme un caca. Oh putain. Oh putain. J'avais oublié, il y en avait un deuxième. Putain, j'avais oublié, il y en avait un deuxième. Oh mais ils me font chier là. Oh, on est dans le caca là. On est dans le caca. Ah ouais. Oh putain. Attendez, est-ce que je peux pas faire.
D'accord. D'accord, ok, bah... Ah mais je peux pas la lancer. Je peux pas la lancer. Oh putain, tu m'étonnes. Oh, oh le bordel. Oh putain, j'avais oublié qu'il y a un con. Putain, j'ai oublié qu'il y avait ce con là, un deuxième. Et... Mais vous savez, en plus, c'est le pire, c'est qu'il se retourne pile poil au moment que je voulais aller le voir pour essayer de l'endormir. Ah, c'est pas possible. Bon, on recommence maintenant qu'on sait qu'ils sont là. Oh putain, les crises cardiaques, c'est con, putain. Ils font chier. Ah, bah non, là, je peux... Mais merde, j'ai lancé. Ou oh, alors, attends. Oh oui, je peux t'avoir. Merde, l'autre, il l'a vu. Oh non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Putain. Eh, je vais pas y arriver, hein. Oh, les deux en même temps. Oh, c'est pas possible. Oh non, mais franchement, là, j'ai pas de chat, c'est pas possible. J'arrive pas à un truc aussi facile, quoi. Voilà, là, j'ai endormi tout le monde. Voilà, hein. Voilà, maintenant, on endort tout le monde. Ah bah non, 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 il... Il en restait plus que un, ce con n'a pas été endormi, quoi. Mais c'est quoi, mais oh, ah, hein, mais c'est quoi cette salle? C'est la salle de la poisse, c'est pas possible, c'est la salle de la poisse. La salle de la poisse, c'est pas possible. Ah non, mais genre, je l'ai pas touché, là. Putain, j'étais dessus, pourtant. Toi, là-bas. Ah, mais non. Mais non, mais reviens. T'as vu, il a, vous avez vu ça? Il a esquivé. Ah, bah, c'est bien, là. Ah, bah, putain. Ah, punaise, hein. C'est pas possible, ça. Ah, non, parce qu'en fait, apparemment, j'ai touché dans l'épaule. Ouais, bon. Bon, je suis pas trop d'accord, mais... Don't kill me. Oh putain, t'es un petit peu trop près. T'es un petit peu trop près pour ma part. Hein. Eh. Don't kill. On va vite. Voilà, dans le zizi, voilà. Voilà, plus de pitié, vous m'avez fait chier. En plus, t'as un nom bizarre, machin, trop long. Trop long à mon goût. Trop trop long ce nom. Ah, punaise. Juste pour des dox, pour deux dox tags en plus. Le bordel pour deux dox tags. Eh ben, dis donc. Oh putain, je t'ai bien eu, toi. Oh, Victor Menlik. Tiens, déjà, toi. Et dans le cul, voilà. Un dans le zizi et l'autre dans le cul. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai marre. Je suis méchant, voilà. Allez, toi, tu me donnes la main et on se barre. T'inquiète pas, ils font dodo. Et il me semble que quand je les tue, enfin s'ils sont morts, il me semble qu'elle fait un petit oh, elle a un petit peu peur ou elle te lâche la main pendant un moment. Enfin, je crois. Je vais pas le tester là parce que ça me ferait chier de recommencer. Voilà, allez, on est rentré. Voilà, pas de munitions. Moi, bon, il n'y a pas de munitions. Vous êtes sympas, les gars. Oh putain, cette salle de la poisse, quoi. Les gars, ils m'évitaient tous mes tirs. C'est qui a pété, les gars? Oh, le vent qu'il y a eu. On pourrait dire que Raiden il s'est pris avant. Ah, ah. Ok, bon, j'arrête cette blague. En tout cas, vous en avez le souffle coupé. Oh, pardon, pardon. Enchaînement, enchaînement. I have a question for you. What is it? How do you feel about heights?
I can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Why? Well, we have to go down a ladder. How far down? Just a little bit. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? About 130 feet. Oh, ça va, ça va. Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Okay, follow me. Ouais, parce que si Riley devait te porter en même temps qu'il faut aller descendre l'échelle, putain, qu'est-ce que ce serait lourd. Perso, moi, ma phobie, enfin, c'est pas ma phobie, j'ai plutôt un peu peur des hauteurs. Voilà, j'ai un peu le vertige, voilà comme on dit. Ce qui est assez bizarre, c'est que quand j'étais petit, je montais aux arbres. Comme un singe. Vous avez... Non, me dites pas, me traitez pas de singe. Oui, bon, vous pouvez me traiter de singe. Vous avez le droit. Parce que vous êtes mes abonnés, vous avez le droit. Oh, quel joli soleil couchant. Magnifique. Putain, mais moi, j'aurais pas pu descendre cette échelle. Hein. Oh, putain. Ou alors, j'aurais pas regardé en bas de... J'aurais fermé les yeux. Oui, parce que rappelez-vous. Est-ce qu'on peut pas passer par les plateformes? On avait vu qu'elles ont été détruites par les missiles et tout. Les portes sont cassées, on est obligé de passer par le bas en fait. Je me rappelle à moi-même parce que je viens de m'en souvenir en fait. Enemy soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh, Emma? Are you gonna ask me how old I am next? If you go alone, I think you can make it across. This is Raiden. Do you read me? Yeah. What's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right. The oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah. It's time to play sniper. Not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. I'll get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can handle it? Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in advanced mode level 4 VR training with the PSG-1. VR? Guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Right now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Okay, I'm heading for Strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. Alright, get going. You'll be fine. Ok. Bon, vous avez compris. Elle doit franchir les barrières flottantes. Du coup, j'hésite. Est-ce que je termine l'épisode là? Bon, ça va faire que 25 minutes, vous allez me dire. Mais parce qu'après, je sais qu'il y a une... Je réfléchis, attendez 2 secondes. J'ai arrêté l'épisode là. Désolé, mais sinon après ça va être beaucoup trop long. Mais vraiment vraiment trop long. Et je préfère couper là. Du coup bah moi je vous dis à plus. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, c'était pas un épisode très folichon, il y avait pas grand chose à part le moment où il y a eu la pièce où la pièce de la poisse, la pièce du fail hein. Cette pièce ne m'aimait pas, elle ne voulait pas que j'ai des dog tags. Du coup bah moi je vous dis à plus pour un prochain épisode en sniping. On va faire le sniper, on va faire le Skyros quoi. Et du coup n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à partager la vidéo. Allez, à plus, portez vous bien tout le monde. Hang in there. I'm not sure if I'm
partir solo. Voilà, dès que t'es ça, je me mets là. Et je l'attends. Il va arriver tout seul.